sortie du groupe est laissée à disposition de l'équipe réserve et Jordan Pfeiffer, remplacé par Mehdi Sarraoui et Franck Schrabzak, tous les deux de très jeunes joueurs. On va passer, c'est une équipe qui va devoir jouer aussi, on devrait assister à une belle partie cet après-midi. Hein. Ouais. Je pense qu'il est là pour y rester. Hein. Ouais, ça a fait bouger Mamad sur le côté, qui est aussi un excellent contre-attaquant aussi. Donc c'est que du bénéf aussi pour Chama. Magnifique complexe d'ailleurs. Si vous allez sur le site du Sarreguemines Football Club, vous allez pouvoir retrouver le lien vers ce complexe, son duel. T'as un beau geste technique, un peu comme Benzema hier, sauf que Karim l'a mis au fond. Et là, heureusement. La défense. Ballon qui parvient sur le flanc. Et Yaba qui va resserrer. Les Rémois qui aimeraient voir les Sarreguemines sortir de leur camp. C'est Hassan qui bloque le côté gauche. Ils reviennent chercher dans leur 6. Ça, il est prêt normalement. C'est un peu la même tactique. Il faut faire l'effort pour aller chercher. Tout. Ouais, ça refait les gammes tous les jours. Ah, oui. Et ça va chercher à produire du jeu dans tous les cas. Hein. Ouais. Ouais, le but, c'est de monter. Côté gauche pour Reims, non, droit. Parti du même côté. Ouais. Belle chance quand même pour les Sarreguemines d'évoluer contre une réserve pro comme celle-là, avec de très nombreux professionnels dans l'effectif. Qui est le joueur et qui a pu récupérer ce ballon. Allez, moins de solutions cette fois-ci pour les Rémois. On a le sentiment qu'il a fallu attendre la. Passer le quart d'heure de jeu pour que les Sarreguemines soient davantage en place. Pas dans le dos. Ouais. Il n'a pas vu cette balle. Allez, Sarreguemines, faut sortir. Rally Benichou qui insiste. Géré par Benoît Kovalchik. Ça passe pas. En 1 contre 1. Musclé l'intervention de Fournier. Baptiste Fournier. C'est pas Hubert, hein. Non, c'est pas Hubert. Aïe, aïe. Là, plutôt. Attention à cette action. Il est une touche. C'est comme ça qu'on a pris le but. C'est comme ça qu'on a été puni. Mm. Et ça se voyait d'avance, tant il y avait peu de mouvement du côté sarreguinois et pas de solution pour Mamad Bari dans cette touche. Ballon qui a été évidemment perdu. C'est ce qu'il va dire Seb. Et intervention du défenseur rémois qui avait vu la très belle course de Rémi Houdin qui a été servi idéalement et qui est allé battre dans une frappe Mamad croisée. Servi. Plus que quelques minutes de jeu. Exact, allez, Saïd Yaza qui pousse sur ses jambes, on connaît sa vitesse. Belle intervention du défenseur. La Ligue Champagne-Ardenne a levé son drapeau. Pour la troisième fois en 4 actions quand même. Hein. Oui, il va falloir être très attentif. Saïd Yaza, un gros travail. Il avait vu Thierry Asti qui s'était défait de son marquage sur le côté droit. Ballon qui ne lui est pas parvenu, c'est dommage. Et bien sûr très attentif à ce Rémi Houdin qui s'est procuré les plus belles occasions. Hein. C'est pas très en vue dans cette rencontre. Alors on va chercher long. Saïd Yaza qui a vu ce ballon passer. Attention, il est très rapide. Ouais. Ouverture de balle du Rémois. Pas très apprécié par Saïd Yaza. Hein. T'as vu le défenseur, il va pas vers le ballon. Il va dans la course de Saïd pour pas le laisser passer. Et Baptiste Fournier. Un petit peu à l'expérience. À droite techniquement, ouais. Qui combine avec Tom. C'est bloqué Sarnan, il aime bien dribbler, regarde. Et Bulot qui sera disponible sur tous les ballons. Il y en a 4 autour de lui. Une petite main. De montrer toute leur qualité. Oui. Hésitant ce gardien rémois hein, quand même. Hein. On voit que Saïd Hazard reste très, très attentif. Il a quelques erreurs. Ouais. Beau duel de la tête là entre Rémi Houdin et Metin Carrière. Il n'est pas sorti. Voilà, ce coup-là, il l'est. G en mettant de la vitesse. Hassan Mbarki, bien pris par Fournier Baptiste. Ah, il le colle. Il empêche de se retourner. Mais il s'est retourné, Hassan Mbarki. Allez, il a pris de sens de marche. Oui, mais là. Dommage. Non, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas d'action illicite. Là, Hassan s'est bien joué. Et qui trouve Saïd Yaza. Dommage. Allez, c'est Baptiste Fournier qui va relancer. Qui va chercher loin là-bas. Mais de redonner un sens à cette rencontre. De la part de Florian Trimborn qui a demandé à ses défenseurs de laisser cette balle. Là maintenant.
Et Hassan Mbarki qui sera le premier sur ce ballon. Pour l'instant tout seul, qui attend du maintien. Ah, c'est pas bien joué, bien ça. Défendu quand même. Ouais, mais il y a mieux à faire, il y a mieux à faire. C'est trop nonchalant. Ouais, attention, là, ça part avec Pavel Nedved. L'Aubry Victor qui va rentrer. Ouais, attention, là, ça part avec Pavel Nedved. L'Aubry Victor qui va rentrer.